Alors, que venez-vous faire en France à un moment où il y a une urgence sanitaire dans votre pays ? Je viens faire mon contrôle médical. Vous savez que donc en Guinée-Bissau, malheureusement, on n'a pas assez développé en matière de santé. Ça fait 20 ans que j'ai un problème, petit problème de cœur. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en France. Vous avez de la chance, vous, de venir, et on voit de plus en plus les chefs d'État africains venir en France se soigner. Ça ne vous gêne pas de vous dire que des milliers de personnes, des millions de personnes comme vous ne peuvent pas venir et souffrent peut-être des mêmes maux? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les hôpitaux sur place? Moi, c'est parmi de mes premiers projets de développer un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Mais moi, ça fait 20 ans que je viens soigner en France, donc ce n'est pas parce que je suis chef d'État que je viens faire mes contrôles médicaux en France. Mais c'est dans mes premiers ligne de pensée, de bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. C'est une promesse, vous bâtirez un hôpital, parce que peut-être qu'il faudrait que chaque chef d'État qui arrive puisse en bâtir, pour qu'on puisse avoir un cadre de santé adéquat. C'est pas une promesse, c'est une chose que je vais faire dans les médias. C'est le Covid qui a un peu empêché les démarres de cet grand ouvrage en Guinée-Bissau.